Sen et Jeanne, on se retrouve aujourd'hui en ce matin. On se réveille tranquillement pour un nouveau booster. J'espère que vous allez tous très bien, que vous n'avez pas passé une courte nuit, parce que je sais qu'on ne dort pas beaucoup, bah c'est dur surtout quand on est vers la fin de la semaine. En tout cas, moi je suis là pour vous accompagner et essayer de vous faire passer une bonne matinée, ou en tout cas de vous aider à bien démarrer cette journée. Et aujourd'hui, je propose à ceux qui me regardent un booster à l'effigie de la série Vainqueur Suprême. Elle compte des très très belles cartes et également les Arceus. Il y a beaucoup de cartes d'Arceus dans cette série, j'aimerais bien avoir le plaisir de vous les montrer. En tout cas, on démarre avec le dragon, le meilleur dragon de la 4e génération. Ouais, je crois que c'est la 4e, Karcha. Il me semble que c'est ça, avec la région de Sinnoh. En tout cas, bah c'est parti, voici le dos du booster. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire. Et je sais que cette série met en avant les Pokémon, enfin surtout les dresseurs de la tour de combat. En tout cas, c'est les meilleurs Pokémon des meilleurs dresseurs. Alors, on va voir si aujourd'hui on va avoir une pioche du tonnerre, mais si on a un Arceus, ce serait vraiment parfait. Allez, en avant, on va découvrir ensemble le petit déj de ce matin. Alors, déjà pour débuter, nous avons un Osferapti, ça va pas nous aider à nous réveiller. Ensuite, on a un Trébeutéral, Mime Junior, un Arachdo, pas mal. Illustration très très simple, mais je l'aime bien. Allez, on enchaîne. Waouh, ça, il a une super luminosité et des super couleurs. Doduo, vous voyez, il ne suffit pas de faire une illustration de fou. Hein. Il y a juste un petit champ d'herbe là où il y a Doduo. Mais juste avec un effet de couleur et de lumière, ça rend la carte super belle. Franchement, pour le petit déj, je la mets de côté parce que je la mettrai à la fin de la vidéo, il n'y a pas photo. Ensuite, on a Hippopotas. La contribution de Connor, alors ça je crois que c'était le père de notre rival dans les jeux Diamants et Perles, et c'est aussi le chef de la tour de combat si je ne m'abuse. Ensuite, on continue avec un Walmer, il est venu nous rafraîchir, super super. Larry, oh, pff, monstrueux, oh je m'y attendais tellement pas. Oh, à seul niveau X, ouais, ça fait plaisir. Bon bah je suppose, je sais pas qu'est-ce qu'il y a fou là, normalement c'est pas... Ah parce que... Oh, waouh, 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 mais c'est quoi ce booster? Monstrueux! Monstrueux, un Arceus qui remplace la Reverse avec le niveau X. Bon, bah super, d'accord, d'accord, d'accord. Mon Pokémon préféré en ultra rare avec un Arceus. Je pense pas qu'on puisse faire meilleur booster. Franchement, dans la série Platinum Vainqueur Suprême, c'est le meilleur booster de toute la série. Alors, le dieu des Pokémon nous a apporté mon Pokémon préféré. Voili, voilou, voili, vous avez compris, hein, franchement, c'est un booster du tonnerre. Du coup, il va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude parce que je vais prendre du plaisir à contempler la carte. Ah, j'adore, je savais qu'il y avait Absol dans cette série. Vous vous doutez bien que je le possède déjà dans ma collection, mais ce n'est pas pour me déplaire. Il est magnifique, les couleurs sont juste splendides. Je crois que mon titre de roi des rares est passé à la poubelle. La malédiction des Moonja qui m'avait frappé pendant au moins 2 grosses semaines a disparu. Paru depuis que j'ai tiré le Sulfuraex, c'est super, franchement j'adore. Alors l'Arceus, il faut savoir qu'il y a plein de cartes d'Arceus parce qu'ils apprennent différentes formes. Arceus, il y a les cartes d'Arceus pour tous les types existants, hein, psy, roche, feu, glace, etc. Du coup, bah aujourd'hui nous avons le type psy. Bon, je la trouve pas mal, hein, franchement c'est une très belle carte, mais entre nous, voilà quoi, hein, Absol, voilà, c'est normal que je m'attarde sur Absol, c'est juste la meilleure carte de l'ouverture et que je pouvais espérer pour ce matin. Vous comprenez que ma journée commence sur les chapeaux de roue pour ma part. C'est un super petit déj, je me suis régalé comme jamais. Ça fait plaisir d'avoir des petits déj comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là en ce moment, je suis en train d'enchaîner des petits déj de malade. C'est juste trop trop bien, j'adore. Franchement, enfin le titre des rois des rares est parti loin loin loin. Aujourd'hui, c'est Nejan, le roi des ultras. J'espère que ça va continuer et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'en mettrais 1000 si je pouvais. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain pour un nouveau petit déj. Voilà, restez comme vous êtes super. Et moi je vous dis à demain.